Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création ? J'étais piégé.
il n'y avait aucune issue. Bon sang! J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pour moi accueilli. C'est pour moi accueilli. Vous comprenez? Non. Suivez ma lumière. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu. C'est toujours une menace. C'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète.
pourrait continuer encore. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais? Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'aie vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Faire comme si on était en vacances. Et toi à côté du vieux monsieur là-bas, j'ai une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La fête du cerf? T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre, en fait, je suis Pat Mayle. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ben, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry, oui. On arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord ?
Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes ? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan en est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend. C'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec moi. Je t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Odir Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl ? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Rends-moi service, fiston. Ça me paraît plaisir d'écouter une chanson. Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferai bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi? Coconut encore? Oh, tu me dégoûtes. Et ça se dit rock. J'en reviens pas. Il arrive que ça se bloque. Ouais! Et il faut lui donner un bon gros coup. You put the lime in the coconut drink and bother. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Ouais. Je suis mort et me voilà en enfer. Non. Tu parles de vacances tranquilles. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine. Eh oh ! Monsieur Stucky ? Carl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Cauldron Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Je partirai travailler dès que le docteur Hartman sera là, Rose. Au revoir, Monsieur Wake. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où.
Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès. Mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. C'est splendide, Alan. C'est quelque chose. T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange ? Ouais. Y a quelqu'un ? Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Merde. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Électrique conduit à la remise là-bas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord, amuse-toi bien. C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir,
et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Alice m'avait parlé de Cauldron Lake Lodge. Le vieux bâtiment était autrefois un hôtel, mais de nos jours, il n'était plus ouvert au public. L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Alice ? Chérie ? Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise, elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Surprise ! Alice, qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici, que le changement de décor t'aiderait à... Bon sang, Alice ! Toi, tout le monde n'arrête pas de... Hé, s'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartmann, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça ? J'ai bien compris ! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan ? Alan ! Oh, arrête, tu veux ! Arrête ça, Alice ! J'en reviens pas ! Et merde ! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Plongé dans le noir, plus de lumière. Alan ! Alan ! Où es-tu ? Alan ! Alice ! J'arrive ! Ça va aller ! J'arrive ! Non ! C'est pas vrai. Alan ! Au secours ! Alan ! Alice ! Ah ! Alice ! Oh non ! Continue, Alan. Alan ! Alice ? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied. Dans les affaires d'Alice se trouvait un livre, The Creator's Dilemma, écrit par le docteur Emil Hartmann. Le livre me remémora ma dispute avec Alice. Ça ne m'avait pas plu, et le visage satisfait de cet homme en couverture ne me plaisait pas non plus. La station-service était ma meilleure chance. J'utiliserais leur téléphone, mais j'avais un bon bout de chemin à faire dans la forêt pour l'atteindre.
Eh oh, y a quelqu'un? Les feuilles de papier étaient les pages d'un manuscrit intitulé Departure. C'était le titre que j'avais prévu de donner au roman que je n'avais jamais commencé. L'auteur, c'était moi. Mais je ne l'avais pas écrit. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Dans la scène, le héros était attaqué par un tueur armé d'une hache la nuit dans les bois. Les lumières de proximité me redonnèrent espoir. Je n'aurais peut-être pas à descendre jusqu'à la station-service pour téléphoner. Y a quelqu'un ici? Je vous en prie, je viens d'avoir un accident. Hé hey. Hey, vous! Il y a eu un accident! J'ai besoin d'aide! Écoutez, il faut que... Charlotte Standing Alloy à My Force! Oh merde! Carl Stucky! Ravi de vous connaître! Un acon! Non remboursable est exigé à la réservation! Pas d'arnaque! Il fallait absolument que je réagisse. D'un instant à l'autre, Stucky serait derrière la porte en brandissant sa hache, comme Nicholson dans Shining. Allô? Vous faites une pierre!
faut découvrir. Super. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je n'avais jamais utilisé d'arme à feu, hormis sur un stand de tir. Et je venais de tuer quelqu'un, ou quelque chose. Aucun cadavre. Ils avaient juste disparu. Si je rêvais, ça semblait assez réel pour me rendre malade. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit. Qu'est-ce que c'était que ça ? Quand je vis la rivière en contrebas, un sombre déclic se produisit dans ma tête. J'allais devoir trouver un moyen de la traverser. La seule vue de l'eau me faisait froid dans le dos. Thank you.
L'escalier était inutilisable. Il fallait que je trouve un autre moyen de monter. Pas d'électricité. Il y avait forcément un générateur sur une exploitation forestière. Au milieu de tout ce matériel forestier, il devait bien y avoir quelque chose qui m'aiderait à monter.
de sortir prendre un peu d'air. Et ah, quelle nuit, les amis. La plupart d'entre vous doivent déjà être couchés. Et si vous êtes encore debout, profitez-en. Sortez quelques instants. Et ah, faites-le plein d'air pur. Le temps est agréable et il n'y a pas un nuage. Entendez la forêt respirer paisiblement à vue. Comme vous le savez, chers auditeurs, je suis Sven Poisson de nuit et je regretterai presque d'être ici en studio. J'approchais enfin de la station service, ses lumières m'invitant à m'y abriter. Paul, fais les meilleurs hot dogs du coin. Le meilleur est le meilleur. Le Monster Dog, il vient juste après. Le Famous Dog, revient. Tu tiens à l'estomac. Nous explosons ce soir.
science. Elle confère l'immortalité à ceux qui la font avancer pour le bien de l'humanité entière. Le corps de Stucky disparut, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service vivant. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Après les folies que je venais de vivre dans l'obscurité, les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment, au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. Bureau du shérif, Bright Falls. Oh, Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Brecker, vous êtes ? Alan Wake. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur Wake. On logeait dans un chalet sur l'île, sur Cauldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake. Pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez. On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer par le lac, ensuite on ira dans mon bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. Je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru. Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.
just a sprinkle stardust and a whisper.